Yo l'équipe, c'est Sang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça je vous à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui j'ai reçu une souris par Klim, donc voilà, je le remercie tout simplement de m'avoir envoyé cette souris pour que je vous la présente. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par le produit, ça sera dans la description. Donc voilà, c'est une souris gamer à prix vraiment abordable et on va tester tout ça aujourd'hui et je vais vous dire mon avis. Bien évidemment, je n'ai pas été payé pour dire que la souris est très bien ou etc. Enfin voilà, je vais, si c'est de la daube, je vous le dis directement. Et puis ben voilà, donc là j'ai reçu le colis tout à l'heure, donc là je vais l'ouvrir simplement. Donc c'est cool, on a une ouverture plutôt rapide. Alors hop, donc là je vais pas vous montrer le derrière, j'ai quand même les informations. Donc là c'était livré comme ceci. Donc voilà, on va prendre ça. Le packaging est plutôt stylé. Donc comme vous pouvez le voir, la souris est vraiment stylée. Donc ça fait un peu style Logitech, voilà, tout simplement. Sauf que Logitech, la souris coûte 80€ et bah, elle est pas si ouf que ça. Donc voilà, alors là on peut voir tout simplement que là c'est un truc anti-transpiration. Donc voilà, je vais vous faire voir un peu plus en détail après. Voilà, je vous fais voir un peu. Voilà l'arrière du paquet. Donc là on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 4000 dpi. Voilà, on peut changer les couleurs. Et tout simplement c'est pour Windows, donc on peut changer les couleurs avec un logiciel. Et c'est la souris Kim's Clean. Donc là on va l'ouvrir. Hop, donc là vraiment le paquet est vraiment très simple. Hein. On sort, il y a juste la souris et un petit guide. Voilà. Donc il y a du français et de l'anglais. Donc l'autofocus il galère un peu. Enfin bref, voilà. Il y a de l'italien, etc. Donc là on voit que la souris est vraiment stylée. Donc ça va, elle est plutôt. Bah, elle est bien pour jouer, elle est pas trop lourde, elle est pas trop légère. Donc là on peut voir un peu à combien de DPI il me semble on est. Ou je sais plus, c'est que je sais pas du tout c'est quoi ça, on verra ça après. Et là effectivement, anti-transpiration. Donc ça c'est vraiment rare de voir ça sur des souris et c'est vraiment pas mal. Donc là, à mon avis, ça doit être le bouton pour la roulette, ou un truc dans le genre. Et là c'est pour les DPI il me semble. Donc voilà, donc voilà, désolé, j'ai eu un petit contre-temps. Il y a la, tout simplement la caméra qui n'avait plus de batterie. Donc là, je disais, tout simplement, là, c'est du, c'est le capteur. Donc voilà, c'est l'un des plus gros capteurs qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est spécialisé pour les gamers, hein, c'est vraiment très bien. Il y a du temps de 2 millisecondes de réponse. Donc là, tout simplement, on peut retrouver le lien, donc klimtech.com. Voilà, donc c'est fait en Chine, donc un peu comme tous les produits. Et là, on peut voir qui est bien, c'est qu'il y a des trucs antidérapants en dessous. Enfin, des trucs vraiment stylés. Donc voilà, là ici pareil, transpiration. Donc c'est vraiment stylé. Et je sais pas si vous pouvez voir un peu au matériau de la souris, mais c'est une bonne prise en main. C'est pas un matériau qui glisse ni rien, on voit que c'est de la bonne qualité. Donc là on peut voir aussi le câble. Donc c'est un câble tressé. Donc s'il y en a qui savent pas c'est quoi en fait un câble tressé, c'est tout simplement à force de bouger la souris derrière votre bureau. Donc quand vous jouez en fait, vous avez votre main comme ça et le câble bah, joue derrière votre bureau et à force bah, il s'abîme. Et là en fait vu que c'est un câble tressé, bah, il n'y a pas de risque que ça s'abîme, voilà tout simplement. Donc voilà, là on a reçu un petit truc en gros, une petite enveloppe, je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc là on va ouvrir tout ça. Ah, des petits autocollants. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Hop, donc là c'est en anglais, on passe. Voilà. Et là le français. Alors là c'est vraiment stylé, j'ai vu ça sur Twitter. En gros c'est ce qu'ils envoient à chaque fois qu'ils envoient un produit. Donc voilà, je vais vous lire un peu tout ça. Bonjour, si vous êtes pressé, vous pouvez vous arrêter là. Autrement, vous pouvez continuer, nous espérons vous faire sourire. Je pense qu'il est intéressant de pouvoir savoir comment s'est déroulée l'expédition de votre commande. Votre produit a été délicatement retiré de notre inventaire avec des gants stérilisés, antimicrobes et versés sur un coussin de soie et de satin. Donc vous voyez, franchement, c'est du troll pur et franchement, c'est pour... Parce que beaucoup de personnes, tout simplement, ne lisent pas ces petits papiers-là. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Donc voilà, je pense que la plupart des gens dans les notices ne lisent pas tout simplement ce qu'ils ont reçu dans le paquet. Voilà, je pense qu'on fait un peu tous pareil. Donc là tout simplement je vais brancher la souris et je vais vous faire voir ça sur le PC. Donc ce qu'elle donne en gros quand je l'allume sur le PC. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, donc je sais pas si vous allez bien voir la caméra, si on va bien le voir. Donc là il y a un bout tout simplement en or au-dessus de l'USB. Donc c'est vraiment très simple, c'est pour fluidifier la connexion, donc c'est pour que les données vont plus vite. Donc voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est sympa à savoir. Donc voilà, là je viens de la brancher au PC et on peut voir que la souris s'allume un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, donc tout ça est réglable bien évidemment. Donc on peut voir aussi en dessous là il y a des LED, donc voilà.
Donc là, je sais pas si je peux utiliser, vu que j'ai déjà une souris branchée. Ah si, c'est bon. Voilà, je peux l'utiliser. Et franchement, même sur un bureau, donc là, j'ai un tapis de souris normalement, mais même sur un bureau, ça va plutôt bien. Ça a l'air vraiment pas mal. Le clic est vraiment simple, il est pas dur. Ouais, c'est vraiment stylé. Alors là, donc là, je pense que c'est, ouais, ça doit être le DPI ou quelque chose, je sais pas du tout. Donc là, vous pouvez voir que si j'appuie, la couleur, tout simplement, s'allume. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, ça s'allume de toutes les couleurs. Là, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, la souris est bien réussie. Donc on va voir ça tout simplement en gameplay. Donc je vais vous faire tester ça. Enfin, on va se retrouver sur le PC pour tester ça tout simplement sur Fortnite. Parce que c'est une souris que j'ai pris uniquement pour Fortnite. Donc voilà. Donc là, on peut voir le capteur. Allez, on va sur le PC, on teste ça. Et c'est parti. Donc voilà, on est de retour sur le PC. Donc tout simplement, alors je vais peut-être abaisser le son du jeu parce que vous n'avez pas trop bien m'entendre. Effet sonore. On va se mettre comme ça. Donc voilà. Donc là, tout simplement, on est en jeu. Je suis avec la nouvelle souris. J'ai pas modifié ma sensibilité, j'ai rien modifié. Donc on va voir un peu tout simplement ce qu'on peut faire avec. J'ai changé mon bouton des matériaux. Donc là, la souris est vraiment stylée, vu comment elle s'allume, etc. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est le temps que vraiment je la prenne en main. J'arrive pas trop. Mais franchement, rien qu'avec mon poignet, etc., ça va super. Elle est pas grosse, elle est pas trop légère ni rien. C'est vraiment bien. Donc voilà, donc là, on se fait un spawn tilted. Là-bas, j'ai envie de vous dire. Là, des boutons, etc., c'est fluide. Donc là, bon, comme par hasard, je vais pas avoir de pompe. Et comme vous le savez, quand on a une tête et qu'on n'a pas de pompe, c'est un peu compliqué. Ouais, on voit bien que je galère avec le câble. Parce que le câble est bloqué derrière mon bureau. Et je l'ai mal mis. Ah. Enfin, un pompe. On va essayer de tuer quelqu'un. Bon, on n'est pas là pour faire de la perf. On est juste là pour tester la souris, tout simplement. Donc là, je l'ai entendu. Le mec, il est là. Voilà, vous voyez, il est juste là. Donc lui, je sais pas s'il m'a entendu. Mais oui. Un peu la merde, voilà, one shot, ça dégage. Mais franchement, la souris, non, elle est vraiment stylée, j'apprécie. Ah, mon couteau est parti. Voilà, reviens. J'ai entendu un autre gars. Et ouais, 24 dans la tête. Et ouais. Voilà, c'est le pont poteau, 24 dans la tête. Enfin bref, donc voilà, le but c'était tester la souris, chose faite. Donc franchement, la souris est vraiment stylée, une bonne prise en main. Après, comme je vous ai dit, avec le câble, j'ai un peu galéré, je vous cache pas. Donc ouais, parce qu'en fait, voilà, là il est bien. J'aurais dû le mettre comme ça dès le début quand je jouais. Voilà, là ça fait pas ce que ça faisait tout à l'heure. Je remercie Clim encore une fois qui m'a envoyé cette superbe souris, elle est vraiment stylée, j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire sur cette souris. Vous avez vu le déballage, etc. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas cher, c'est un prix abordable, c'est 24€ sur Amazon. Donc voilà, de toute façon, tous les liens seront dans la description. Vous avez un code promotion, tout simplement, c'est, bah, vous serez, tout sera dans la description. Je sais pas c'est quoi encore, vu que bah, il me l'a pas encore donné. Vu que bah, faut que je poste la vidéo avant qu'il me le donne. Et du coup, bah voilà, il y aura tout ça dans la description. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas à utiliser le code promotion, comme ça, ça vous reviendra moins cher. Donc voilà, allez, ciao tout le monde.